quand tu m'embrasses, ça veut dire que tu dois repartir. Tout va bien? Ça va très bien. On n'est pas bien, là? Décontracté du gland, t'es ça que t'as envie. T'es chiant comme mec, impossible de discuter. T'es chiant comme mec, tu me donnes envie de déconner. Ouais, vous le faites, ça vous prend 3-4 minutes. Vous le faites deux fois par jour. Vous allez vous rendre compte que très rapidement, vous allez retrouver une poitrine. Ah, joli profil. Ouais, là, il a fallu bosser. Dites donc, Karim, vous l'avez pas raté comme Marianic, là. Lui faire faire des planches et des ci et des là, là. Quand oui. Même. On faut souffrir pour avoir des tétés qui regardent le ciel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai appelé Toby, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pense. Bambi d'amour, regarde maman, tu peux. Il s'en fout. Il m'a lâché. Aïe, 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 mais bien sûr qu'il s'en fout, Toby, ma chérie. C'est un chien! Qu'est-ce qu'elle met, maman? Qu'est-ce qu'elle met? J'aime mes règles, elles me connectent avec la lune. J'aime mes règles, quand elles sont brunes, je les assume. C'est un fauteuil pour accoucher? Je laisse libre cours à votre imagination. Accoucher de bonnes idées. De nombreux écrivains sont relaxés sur des fauteuils j'imagine coloniaux. J'imagine que voilà. C'est fait pour étendre les jambes. Voilà. Oui. Ouais, là, c'est quand même carrément un fauteuil... De relaxation. Il n'y a aucune utilisation gynécologique. La belle limousine. Sympa l'arrivée. Franchement. Ouais. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Ah non, carrément. Carrément. Waouh. Moi, perso, j'aurais pas osé. Comme neuf. Difficile de t'approcher. C'est Doc Gynéco, c'est un pseudo qu'on choisit quand on a 20 ans, à 43 ans. Ça fait quel effet de s'appeler Doc Gynéco? C'est pas comme un tatouage qu'on a fait quand on est bourré? Aujourd'hui, on peut être vieux si on a sorti son album. Je disais ça avant à la fille du web qui travaille pour toi. Sarah. Bonsoir. Non. MCB. Super, merci. La transition, c'est comme ça qu'on dit, on sort ça. J'aime les règles et que personne ne m'apporte une. Qu'est-ce que tu crois que les gens penseraient s'ils verraient Blanche-Neige, tu vois, s'ils sortiraient dans la rue comme ça? Ça ferait plaisir. Parce que des fois, j'aimerais bien, ça ne manquerait pas, tu vois, sortir en Blanche-Neige pour voir la réaction du quartier. Pour voir comment ils pensent. Oh, puis moi, je sortirais comme ça avec fierté dans la rue et tout, avec les gestes de Blanche-Neige. Non, mais je sais qu'Isa te kiffe, elle te trouve très beau gosse. Ouais, est-ce que vous voulez faire une petite danse tous les deux? Mais attention, une danse dans le respect des règles. Attends, serrés. De ses règles, alors. Elle a ses règles? Elle a ses règles? Tu as dit dans le respect des règles. Attends, maintenant que tu le dis.